Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans une série Terroir Gourmand, nous partons dans les vignobles du Jura. Hélène nous amènera dans l'intimité de ses caves de Château-Chalon afin de percer les secrets du vin jaune. Puis, nous rejoindrons Christian qui a retrouvé de nombreux cépages jurassiens qu'il garde précieusement dans ses vignes conservatoires. Enfin, nous partirons sur les traces de l'un des plus célèbres fromages de l'Hexagone, le Comté. Je vous laisse apprécier quelques-unes des richesses de ce terroir et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Situé en région Franche-Comté, le vignoble du Jura est une région viticole qui s'étend sur plus de 70 km de long. Sous le soleil, il est possible de distinguer les innombrables nuances de vert dont elle est vêtue. Sur ses plateaux et coteaux calcaires, vignes et troupeaux viennent puiser la richesse de ses sols depuis des siècles. Arbois, la capitale du vignoble, accueille chaque année de nombreux touristes pour la qualité des productions culinaires du pays. Car ici, les vaches donnent le meilleur de leur lait et les raisins, le meilleur de leur jus. Hélène Berthet-Bondet est viticultrice à Château-Chalon. Elle produit le fameux vin jaune, ce vin emblématique de la région. C'est dans cette cuverie que le cépage, le savagnin, va subir la fermentation alcoolique après sa récolte. Une fois prêt, le vin sera transformé dans ces caves de vieillissement uniquement destinées à l'élevage des vins jaunes. Ils vont y rester au minimum 6 ans et 3 mois, dans des fûts de 228 litres. Le jour de la mise en fût du vin, on va s'arrêter à quelques centimètres. On ne va pas entièrement remplir le tonneau. Et au fil des années, le vin va continuer à s'évaporer. On ne va jamais houiller le tonneau. Le houillage, c'est l'opération qui consiste à remplir le tonneau très régulièrement pour éviter l'oxydation du vin et l'évaporation. Donc le vin continue à s'évaporer. On va descendre à peu près au niveau de ce petit robinet. Au contact de l'air, le vin va développer un voile de levure en surface et ces levures vont lui donner tous ses arômes caractéristiques. Ce voile de levure le protège également de l'oxydation. Le vin évaporé est la part des anges et le vin qui reste dans ses fûts, la part des consommateurs. Hélène est la première à goûter ces arômes puissants, intenses et concentrés. Donc c'est un vin où on peut trouver des arômes de noix, des arômes de fruits secs, des arômes d'humus, par exemple l'odeur de la forêt après la pluie, le côté un petit peu champignon, un petit peu sous-bois. En bouche, il y a une très bonne attaque, une bonne expression aussi. On va retrouver ces arômes. Hélène détient dans sa cave de précieux millésimes. Le vin jaune est un vin de longue garde très robuste. Il est possible d'en goûter certains qui ont plus de 100 ans. Si ces bouteilles prennent l'allure d'une collection, elles ont aussi un air de famille. Là, je vais aller chercher la plus vieille bouteille de la collection. Une bouteille de Château-Chalon 1985, qui est donc la première récolte de mon père lorsqu'il s'est installé ici à Château-Chalon. C'est une grande valeur sentimentale, bien sûr. D'ailleurs, elle n'est plus en vente. C'est un petit trésor de famille, maintenant. Voilà, donc, Château-Chalon, 1985. Hélène est une reconvertie. Auparavant traductrice, elle passait ses journées devant son écran d'ordinateur. Mais elle sentait l'appel du métier de son père et a doucement commencé à s'intéresser au vin et à ses saveurs. Le métier de vigneronne m'a attirée, en fait. C'est un métier en mouvement permanent, avec des défis à relever tous les jours. Et puis, dans un même temps, j'ai eu envie d'un retour aux sources et de retrouver une qualité de vie près de la nature, près des saisons, dans un site magnifique. C'est vrai que j'ai grandi ici, donc la barre était haute pour moi pour retrouver un cadre aussi magique que Château-Chalon. Hélène vend son vin jaune dans cette boutique. Dans ces bouteilles à la teinte antique, sombre, pour protéger le vin de la lumière.
Elle daterait du XVIe siècle et serait un dérivé, dit-on, d'une pinte anglaise à laquelle on aurait ajouté le haut. Fréquemment, on nous pose la question pourquoi une telle bouteille, pourquoi cette forme, pourquoi cette contenance, etc. Donc c'est une bouteille assez unique qui s'appelle le Clavelin, qui fait 62 centilitres. C'est ce qui reste d'un litre après les 6 ans et 3 mois d'élevage, donc après toute l'évaporation qui a eu lieu. Cette bouteille peut contenir d'autres vins jaunes du Jura, comme l'Arbois. Mais lorsqu'elle a la particularité de porter ce sceau, c'est qu'elle contient du vin jaune qui provient de l'appellation Château-Chalon. Hélène se rend dans les vignes conservatoires de la ville pour participer à leur entretien avec le maire, Christian Vuillaume. Comment ça va ? Ça va bien. Si le vin jaune se fait uniquement avec le savagnin typiquement jurassien, il existait d'autres cépages locaux avant la crise du phylloxéra, un puceron ravageur qui a fait perdre des dizaines de milliers d'hectares dès 1864. Allez, on va en profiter, là on a un petit rayon de soleil. Oui. On va aller commencer. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on s'occupe du lierre. Ces cépages, Christian Vuillaume en a retrouvé une partie auprès de différents particuliers et les conserve avec les vignerons de la région. Dans ses vignes, il en compte 47. Tous se distinguent par leurs caractéristiques et leurs petits bouts d'histoire. Le plan de Buffard, oui. On l'a appelé comme ça parce qu'en fait, il n'est pas dans l'opélographie. Et ils nous ont dit, vous n'avez qu'à l'appeler là où vous l'avez trouvé. On l'a trouvé dans le village de Buffard. Voilà. Hélène prend soin des vignes sous le regard attentif et passionné du maire, qui affectionne tout particulièrement ce cépage, l'enfariné, immangeable par son acidité, délaissé et oublié. Ce cépage-là a été complètement interdit. Il est toujours interdit aujourd'hui. Mais les vignerons en cachent toujours deux pieds dans leurs vignes. Ils savent bien pourquoi. À partir de 1936, uniquement 5 cépages ont été réservés aux vignobles de la région. Conserver la diversité perdue au fil du temps pourrait peut-être pallier une nouvelle crise et de nouvelles maladies. Pour Hélène, ces vignes conservatoires tiennent également un rôle social important. C'est quand même un élément de la vie du village. C'est quelque chose qui fédère tous les vignerons. Tous les vignerons du village participent aux travaux de cette vigne et ça permet donc de faire un lien entre les générations aussi, entre les anciens et les jeunes. Sur cette parcelle, Hélène retrouve le savagnin de son vin jaune. Il y a 250 millions d'années, une mer confinée a laissé sur ses terres une roche sédimentaire appelée la Marne grise. Froide et lourde, elle permet au sol de retenir l'humidité. C'est la raison pour laquelle les cépages savagnins s'y plaisent et s'y développent. Ces sols apportent au vin jaune une grande minéralité et salinité en fin de bouche. S'ils s'exportent de plus en plus en dehors des frontières jurassiennes et même françaises, il reste l'un des vins préférés des habitants de la région, notamment pour la cuisine. Le coq au vin jaune et morille est l'un des plats les plus emblématiques du terroir. Maxime Montibert en est le spécialiste. À l'auberge La Balance, une vieille maison d'Arbois qu'il a repris il y a un peu plus de 2 ans, il prépare la recette avec passion. La particularité de ce plat, c'est que le coq doit être mariné pendant 72 heures. Donc je vais commencer à saisir mes morceaux de coq que j'ai talqués, donc dans une cocotte bien chaude en fonte avec une huile de tournesol. Lorsque le coq a une belle couleur dorée, Maxime le déglace au vin jaune, l'essence même du plat. Il apporte tout son caractère et sa complexité à la recette. C'est dans cette fumée que les parfums s'exaltent et qu'apparaissent les premiers arômes. Si la recette contient aujourd'hui des ingrédients prisés d'excellence, elle a autrefois nourri les familles les plus pauvres. C'est une recette en fait, où tous les ingrédients, on les trouve aux alentours. Les champignons, les morilles, là où aujourd'hui on a plus de mal à en trouver dans nos forêts. C'était quand même un champignon dont personne ne voulait. Le coq, eh bien, une fois l'an, on va tuer son coq pour réguler sa basse-cour. Et le vin jaune, il y a des histoires très rigolotes des anciens d'ailleurs qui disent que c'était peut-être plus à l'époque une erreur, un vin oublié dans un tonneau, plutôt qu'une réelle volonté. Mis tous les gens, ça, on verra bien, mais de par l'histoire, finalement, on a créé un produit d'exception aujourd'hui. Le coq est mouillé avec le jus de la marinade, évacué 8 heures. Sont ensuite ajoutées crème et morille, et le plat est prêt.
La simplicité de cette recette à la fois moderne et ancienne est le maître mot. Le coq, on le sert de façon tout à fait traditionnelle dans sa cocotte en fonte, comme la grand-mère qui oubliait sa cocotte sur le poêle à bois pendant toute la nuit. C'est ce formidable, ces odeurs qui se développent à peine on ouvre la cocotte. C'est cette faim qui est attisée, c'est une louche au milieu de la cocotte. Chaque convive se sert en fonction de sa faim ou de ses envies. Un vrai moment qui vaut le coup d'être partagé. Le coq se partage et ne se mange pas seul. Le vignoble du Jura est réputé pour sa gastronomie, mais aussi pour sa géologie particulière. À quelques minutes au sud de Château-Chalon, le petit village de Baume-les-Messieurs fait partie des plus beaux villages de France, notamment pour ses grottes. Anthony Lucienard est le régisseur en charge de leur visite. Les grottes de Baume-les-Messieurs sont situées à 120 mètres sous terre et permettent aux visiteurs de parcourir 500 mètres de galeries aménagées. Alors ici, on se trouve dans la première des salles que l'on appelle la salle du Dard. Alors le Dard, c'est tout simplement la petite rivière. C'est une résurgence. Elle prend sa source au pied de la roche et elle est alimentée par les eaux de pluie du plateau qui s'infiltrent à travers la roche calcaire. La grotte est composée de roches calcaires comme 90% du massif jurassien. Cette roche date de plus de 150 millions d'années, l'ère secondaire, appelée période du Jurassique. Le Jura était recouvert d'une mer chaude dont les sédiments marins venaient tapisser le fond. Cela a donné naissance à des strates, les différentes couches sédimentaires horizontales visibles dans nos paysages. Il y a environ 60 millions d'années, c'est le choc des plaques continentales, ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc la plaque africaine se rapproche de la plaque eurasiatique. Donc du fait de ce rapprochement, forcément, l'espace marin se rétrécit et les rochers commencent à émerger, à sortir de la mer, ce qui donnera la naissance de la chaîne de montagnes des Alpes et après, par la suite, avec la poussée alpine, la naissance du Jura. L'étude de ces roches permet de reconstituer les anciennes conditions climatiques et d'imaginer les paysages d'autrefois. Le climat tropical ressemblait probablement à nos Bahamas actuelles, avec une mer turquoise et de grands dinosaures herbivores dont des traces ont été retrouvées non loin d'ici. Mais dans cette grotte, ce sont des animaux plus petits que l'on trouve aujourd'hui. Dans tous les points d'eau des grottes, on trouve des petites crevettes que l'on appelle des nymphargus. Elles sont blanches et aveugles, elles sont dépigmentées à cause de l'obscurité, elles se nourrissent de micro-organismes qu'elles trouvent dans l'argile. Les grottes de Baume sont au bout d'une reculée, une vallée qui pénètre à l'intérieur d'un plateau calcaire et qui se termine brusquement en forme de cirque rocheux, appelé le bout du monde, d'où jaillit une résurgence. Il y a environ moins 20 000 ans, un glacier recouvre le Jura actuel et juste après s'est produit un réchauffement progressif du climat, ce qui va entraîner la fonte des glaciers et le plateau affaibli par le réseau hydraulique qui finalement a été installé par les eaux de pluie qui a creusé la roche calcaire, s'est affaissé et s'est effondré et donné forme à la reculée que nous connaissons actuellement. Les eaux acides ont dissous les roches calcaires et se sont frayées des chemins. La puissance des tourbillons ont créé des coupoles. 1 cm de stalactites, stalagmites et colonnes se sont formées chaque siècle. Et l'eau continue encore aujourd'hui d'inonder la salle du Dard, rendant le passage inaccessible. Mais le plus impressionnant ici, ce sont ces fissures gigantesques, formant des cheminées fermées, les diaclases. Ici, nous nous trouvons dans la salle la plus haute des grottes de Baume-les-Messieurs, puisque la fissure qui est devant nous, juste là, mesure pas loin de 70 mètres de hauteur. D'ailleurs, c'est la plus haute verticale souterraine du Jura. Si l'on regarde de plus près, on peut apercevoir des familles de chauves-souris. Aujourd'hui, 3 km de réseau ont été découverts dans la grotte de Baume-les-Messieurs, toujours en voie d'exploration. Des spéléologues y ont vu le tombeau de Napoléon, la forme du Mont-Saint-Michel, et vers 1920, les villageois venaient écouter des concerts de cors de chasse dans une des chambres. Ici, tous les éléments sont réunis pour laisser place à l'imagination et retracer l'histoire de ces lieux majestueux. La topographie si particulière du vignoble du Jura est propice aux vignes, mais aussi à l'élevage laitier qui donne le fameux comté. Michel Fèvre est éleveur dans la commune de Le Fier, dont il est maire. Il sort ses 80 vaches qui ont passé tout l'hiver dans les bâtiments afin qu'elles puissent profiter des pâturages printaniers. C'est le premier jour qu'on sort dehors.
Et donc, elles apprécient les rayons de soleil, voilà. Ces vaches sont des montbéliardes. Pattes blanches, tête blanche, oreilles et arrière-train rouges, leur bassin de naissance est Montbéliard, en Franche-Comté. C'est leur lait qui constitue 95% de la fabrication de fromage. La qualité première de ces vaches-là, c'est qu'elles ont un lait de qualité qui est ce qu'on appelle fromageable, c'est-à-dire qu'on a un équilibre entre les matières grasses et les matières protéiques qui sont favorables à la fabrication de fromage. Et des fromages qui se gardent longtemps dans le temps, quoi. Oh là, que c'est dur de se lever après la sieste, oh là là. Les Montbéliardes sont des vaches rustiques. Elles ont de bons pieds pour aller sur les chemins difficiles et caillouteux, contrairement à d'autres races comme les Holstein. Elles s'adaptent aussi bien aux températures élevées de l'été qu'aux hivers rudes, tout comme les végétaux qui poussent sur ces terres. Il n'y a pas beaucoup de terre ici, on est vite sur les cailloux. Et le fait qu'on soit vite sur les cailloux, les plantes, elles ont l'habitude de subir ce qu'on appelle des stress hydriques. Et le fait qu'elles soient adaptées et à la sécheresse et à l'excès d'humidité fait qu'elles ont une qualité d'herbe qui est favorable à la production de lait pour la fabrication du comté. La richesse de ce sol confère une très bonne qualité au lait. Particulièrement au printemps, lorsque l'herbe est riche en azote et que les pâquerettes et pissenlits font le bonheur des laitières qui vont produire plus de lait le reste de l'année. L'été, Michel récolte l'herbe pour pouvoir nourrir ses bêtes en hiver. Donc la première coupe d'herbe, on appelle ça du foin, et la deuxième coupe, on appelle ça du regain. Et à côté de ça, on fait un petit peu de céréales, parce que les vaches ne sont pas nourries que au foin et au regain ou que à l'herbe. À côté de ça, elles ont un complément de céréales et de tourteaux. C'est des sous-produits issus de la production d'huile. Tourteaux de soja, tourteaux de colza, tourteaux de tournesol. Et c'est ça qu'on donne, qu'on mélange avec les céréales pour donner ce qu'on appelle le concentré. Venez, je vous ai amené un petit peu de gourmandise. Comme c'est le premier jour que vous sortez, vous n'avez pas encore bien l'habitude de manger de l'herbe. Je vais vous donner un petit peu de regain. Voilà. Elles sont contentes, là. Poligny est connue pour être la capitale du comté. À la fromagerie Arnaud, Jean-Charles Arnaud organise des dégustations de ce grand fromage, né en Franche-Comté, qui s'apprécie seul, en salade ou en gratin. Ces cristaux blancs, ce n'est pas du sel. Ça peut craquer sous la dent, comme des cristaux de sel, mais en fait, ce sont des protéines. Mais on va goûter pour en être sûr. Et peut-être qu'avant, il faudrait quand même goûter un plus jeune. Ah, bah alors, pas de problème. S'il n'y avait qu'un fromage à emmener sur une île déserte, je ne pourrais pas emmener autre chose que du comté. Aujourd'hui, Jean-Charles fait goûter à ses clients des comtés de différents âges. Pour lui, c'est une histoire de famille. C'est dans cette maison familiale que son grand-père apportait sur son dos la meule qu'il fabriquait chaque jour pour l'affiner. Sa grand-mère tenait le magasin en 1907. On peut dire que Jean-Charles est tombé dans la marmite étant petit. Mon grand-père faisait tous les jours son fromage au feu de bois. Et c'était très dangereux à l'époque. Et donc, à l'âge de 3-4 ans, ma grand-mère comme ma mère avaient peur que je me brûle. Donc, dès qu'une cuve cuivre était vide, elle me prenait par le fond de pantalon, elle me mettait dans la cuve. Et ça, ça fait vraiment partie de mes premiers souvenirs de vie. Avec mon grand-père, que je vois faire quelque chose d'étonnant, il y a de la fumée, il fait chaud, je vois bien qu'il brasse quelque chose. Et il est en train de faire son comté. L'origine du comté traverse les millénaires. De premiers écrits parlent de fromages qui étaient envoyés des montagnes jurassiennes jusqu'à Rome. Il s'agissait donc de fromages à pâte dure pouvant se conserver longtemps. Un ancien texte de calligraphie gothique datant de 1264 confirme l'existence d'une fromagerie dont une comtesse vendait ses droits. Alors le comté est vraiment né, j'allais dire, avec quelques ingrédients simples. Le lait, le sel, abondant ici à Poligny, et puis je dirais l'hiver. L'hiver qui imposait aux hommes donc de vivre enfermés pendant au moins 6 mois. Et ils avaient très peu de ressources, et ce liquide fragile qui était le lait, ils ont dû mettre au point une recette pour effectivement pouvoir le garder très longtemps, donc se nourrir eux-mêmes, et ensuite échanger. Le comté constitue la plus grosse production de fromage d'appellation d'origine contrôlée de France. Un gage de qualité qui permet également de protéger son nom, qui n'est officiel que depuis 1958. Car les Jurassiens peinaient à abandonner le mot « gruyère de comté » que certains utilisent encore. Alors le mariage historique mais multiséculaire dans la région, et voilà, c'est évidemment un grand vin jaune avec un grand comté, c'est la merveille des merveilles. Mon grand-père faisait ça
avec ses copains fromagers à 4 heures de l'après-midi. La terre pouvait s'écrouler, c'était le moment de la dégustation. C'est dans ces caves d'affinage que le comté de la fromagerie Arnaud va développer ses arômes. Les fromages, encore souples et vierges en surface, vont commencer un long processus de transformation. Il va falloir les retourner et les saler pour développer des microflores à leur surface. Chaque meule pèse 40 kg, mais aujourd'hui, heureusement, des machines s'en chargent. Ce que j'ai fait dans ma jeunesse, c'est particulièrement éreintant pour le dos. Et heureusement, maintenant, on a ces machines-là qui nous permettent de faire effectivement donc des soins où l'homme réfléchit aux soins qu'il va le faire, mais sans la pénibilité. Donc, entre avoir une opération donc, totalement donc, manuelle de ce type-là ou une machine, eh bien, croyez-moi, si vous êtes obligé d'en retourner 400 tous les matins, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais alors, pas du tout. Les fromages sont ensuite vieillis en cave de fermentation. Les bactéries présentes dans le lait s'activent et se transforment en profondeur pour révéler leurs arômes de fleurs de montagne. On va écouter déjà, mais goûter aussi ces fromages. Bon, c'est bien homogène. C'est joli. C'est un très bon nez, on a de la noisette. Mais en texture, je trouve que ça mérite encore de vieillir, quoi. Selon ce qui est recherché en termes de goût ou de texture, les meules sont déplacées dans des caves. 3 au minimum, aux ambiances différentes. Moi, je pense, Bertrand, qu'il allait mettre dans la Napoléon. Là, j'y étais tout à l'heure, elle est très, très chargée en ammoniac. Elle devrait permettre une bonne transformation de la texture. Toutes les meules sont marquées d'une plaque verte depuis le jour de leur fabrication pour permettre une traçabilité des fromages. Lorsqu'elles arrivent à maturation, Jean-Charles n'hésite pas à les goûter encore et encore pour s'assurer que ces meules soient devenues de grands fromages. C'est fondant, c'est une petite merveille ça alors. Très belle texture, très onctueux, belle longueur en bouche, magnifique. Pour que le fromage porte le nom de comté, il doit impérativement avoir cette bande verte sur son talon. C'est uniquement à ce moment-là que le comté devient une appellation d'origine. Une étiquette de surface et le fromage est prêt à être vendu. Dans ces caves, Jean-Charles en profite pour aller voir quelques trésors. Alors là, je les marque à mon nom parce que je les garde pour une dégustation avec de grands vignerons. 3 ans d'âge, on est des fromages à pleine maturité. Là, c'est le bonheur. Là, on va commencer à penser à déguster des vraies saveurs. Et sans avoir rien rajouté, juste effectivement ce qui nous vient des fleurs, de l'art de l'affinage, de cette transformation profonde effectivement du fromage, qui libère des saveurs extraordinaires et toutes naturelles. C'est juste le fruit de la nature. Une nature qui au vignoble du Jura ne cessera d'être généreuse tant que l'eau abondante assouvira les roches millénaires et que le soleil illuminera ses couleurs merveilleuses. Aujourd'hui, je cuisine des champignons aux morilles et saucisses de morteau. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra pour les champignons farcis, 4 gros champignons de Paris, environ de 70 g, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, du thym et du laurier. Pour la garniture, 100 g de mâche, 50 g de cerneau de noix, huile d'olive, vinaigre de rérès. Pour la farce, un oignon, une demi-gousse d'ail, 100 g de morilles, une saucisse de morteau, 50 g de crème liquide, 100 g de comté, 20 g d'huile d'olive. Pour le jus de champignons, une demi-échalote ciselée, 300 g de champignons de Paris, de préférence bien blancs, 250 g de lait, 20 g d'huile d'olive. Lavez et coupez les pieds des gros champignons de Paris. Afin d'éviter l'oxydation des champignons de Paris, versez du jus de citron. Les placez dans un plat creux, puis salez et poivrez. Parsemé de thym et de laurier, ajoutez la gousse d'ail entière et versez un filet d'huile d'olive. Couvrir d'un papier aluminium et cuire au four 1 heure à 180 degrés. Pour la farce, ciselez l'oignon, hachez l'ail, puis émincez les morilles. Cuire à petit bouillon la saucisse de morteau 20 minutes. C'est bon pour toutes les saucisses. Si vous voulez les piquer, pour ôter un petit peu l'excédent de gras, ne pas les piquer en profondeur et très légèrement.
Coupez la saucisse de morteau en dés de 5 mm. Dans une sauteuse, suez l'huile d'olive, l'oignon, l'ail et les morilles sans coloration 2 minutes. Ajoutez les dés de saucisse de morteau et faire revenir 2 minutes. Montez le feu, ajoutez la crème, le sel, le poivre, puis cuire 5 minutes à feu moyen. Ne pas hésiter à être généreux avec le poivre. 2-3 bons tours de poivre dans cette sauce fera l'affaire. Retirez du feu, râpez le comté par-dessus, rectifiez l'assaisonnement et laissez refroidir. Pour le jus de champignons, émincez les champignons de Paris et ciselez l'échalote. Dans une casserole, faire revenir le tout à l'huile d'olive. Versez le lait, salez, poivrez et cuire 10 minutes à feu doux. Mixez, filtrez et rectifiez l'assaisonnement. Répartir la farce dans les gros champignons en formant un dôme. Dans un plat allant au four, versez le jus de champignons, posez dessus les gros champignons farcis et mettre au four 12 minutes à 180 degrés. Terminez la coloration 5 minutes sous le grill. Pour la garniture, ajoutez les cerneaux de noix à la mâche. Mélangez l'huile d'olive et le vinaigre de Rérès, salez et poivrez, puis répartir sur la salade. Pour le dressage, au fond de l'assiette, versez un peu de jus de champignons et déposez un gros champignon farci. Sur un côté de l'assiette, servir un peu de salade de mâche aux noix. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.